Sur ce qui semble être une plateforme surélevée en béton au-dessus de la forêt. Vous avez ainsi une vue générale sur toute la partie nord du bunker, dominée par son impressionnante façade. En réalité, vous êtes sur le sommet du mur nord du bunker. Ce mur inachevé, épais de 5 mètres et d'une hauteur de 11 mètres, devait initialement s'élever aussi haut que celui qui vous fait face. Cette partie nord du bunker aurait été ensuite recouverte d'un toit épais de 5 mètres. Regardez le plan situé devant vous. La partie droite, un tiers de la surface totale, n'a jamais été réalisée. Vous imaginez maintenant les proportions gigantesques que le bunker primitif devait avoir. Au point numéro 1. Le plancher du deuxième niveau, réservé au stockage et à l'assemblage des V2, semble rugir. Cette salle devait avoir une hauteur de 14 mètres et recevoir près de 120 fusées. Face à nous, accolé à la façade nord des bunkers, point numéro 2 de votre plan, se situe la salle de stockage de l'oxygène liquide, alimenté par l'usine de production au point numéro 8. Et de part et d'autre de cette salle, au point numéro 3, devaient se trouver les galeries de transfert par lesquelles auraient été acheminées les fusées jusqu'aux stations de remplissage et de préparation de tir, point numéro 4. Les V2, ainsi préparés, devaient emprunter des couloirs latéraux, point numéro 5, pour être conduit à l'extérieur du bunker jusqu'aux tables de tir au point numéro 6. De la tour de contrôle, point numéro 7, devait être opéré leur mise à feu. D'autre part, vous remarquerez sur le plancher de ce niveau le trou béant laissé par l'impact d'une bombe de gros calibre. L'énorme bloc de béton sur le toit de stockage de l'oxygène liquide fut arraché par l'explosion d'une bombe Talboy de 6 tonnes. Vous apercevez encore l'impact de cette bombe sur l'arête nord du toit du bunker. Derrière vous, en amont, se trouvait l'une des grandes centrales à béton desservant le bunker primitif. Le bunker existant fut surtout alimenté par une centrale située plus haut et qui fut endommagée lors des nombreux bombardements. D'ailleurs, vous pouvez observer autour de vous les nombreux sacs de ciment pris en masse. Le béton produit par la centrale était refoulé par des ponts spéciales vers le chantier. À ce niveau, de nombreuses antennes et goulottes orientables le répartissaient aux différents points de coffrage. En raison de sa forme, ce système était appelé araignée par les Allemands. Quant aux finitions et points de niveau, ils étaient réalisés par de jeunes travailleurs belges au moyen de brouettes et de bachots. Plus loin, une plaque commémorative rend hommage à ces jeunes belges qui travaillèrent et périrent à la centrale. Imaginez le gigantesque chantier que nécessita la construction d'un tel édifice. En un an, 35 000 ouvriers se sont relayés pour ériger ce monstre de béton. Une véritable fourmilière humaine.
dès mars 1943. Suivant les plans d'origine de l'organisation TOD, les travaux commencent. Pelles et grues mécaniques, bulldozer à treuils, voies de colline pour locomotive à vapeur, bétonneuses gigantesques et de nombreux engins de bâtiments envers la forêt des perfects. De jour comme de nuit, à la lueur des projecteurs, 3000 ouvriers travaillent sans relâche. Plus d'un tiers des travaux sont réalisés. 43 000 mètres cubes de béton ont déjà été coulés. Lorsque le 27 août 1943, à 18h46, un bruit sourd se fait entendre au loin. Intensif, le bilan est lourd. 185 forteresses volantes de l'US Air Force viennent de lâcher 366 bombes de 1 tonne sur le chantier des Perlecs. La partie nord est dévastée et parmi les ouvriers, on compte de nombreuses victimes. À l'occasion de ce raid aérien, il convient d'avoir une pensée pour René Mouchotte, commandant des forces aériennes françaises libres, abattu alors qu'il escortait les bombardiers américains. Au coin est du bunker, une plaque commémorative honore son courage et nous rappelle son sacrifice. Suite à ce bombardement, l'organisation TOD juge impossible l'utilisation du bunker comme base de lancement des B-2. Par contre, la partie sud du bâtiment étant intacte, les Allemands veulent à tout prix terminer l'usine d'oxygène liquide. L'ingénieur Floss alors l'idée extraordinaire de poursuivre les travaux par la méthode dite de la tortue. Pour se mettre à l'abri des bombes, les ouvriers vont couler une dalle de 5 mètres d'épaisseur divisée en 3 sections, représentant un volume de 13 125 mètres cubes pour un poids d'environ 35 000 tonnes de béton armé. Cette dalle sera le toit de l'usine. À l'aide de cris, de leviers et de cales, le toit sera élevé. Les murs seront ferraillés dans des coffrages, tout autour, comme à l'intérieur. Le béton y sera injecté à l'aide de grosses pompes. Quand les murs seront assez résistants et secs, ils recommenceront la même opération pour élever l'usine comme un champignon jaillissant de terre. C'est ça qu'on voit, à mesure des épaisseurs peut-être. Pour l'exécution de ces travaux, les autorités allemandes utilisèrent un grand nombre de prisonniers. Russes, Yougoslaves, Polonais, Tchèques, Belges et bien sûr Français, astreints au STO, dont on conserve respectueusement le souvenir ici. Grâce à cette technique, dite de la tortue, le bunker des Perlecs devint invulnérable aux nombreux bombardements qui suivirent celui du 27 août 1943. Et finalement, en janvier 1944, le gros œuvre abritant l'usine d'oxygène liquide sera achevé comme il apparaît à vos yeux aujourd'hui. Ah.
dans le déchenon. Je vois pas grand chose là. Je ne parle pas beaucoup, je suis sous l'effet de l'émotion. Et puis les images valent mieux que les paroles. Voilà, je suis sous une partie du bunker. C'est hallucinant. Là, c'est sous le bunker. On voit qu'il y a quand même pas mal d'eau. Mais j'en ai marre de faire des cuts. Mais moi je dois faire des cuts après. Hein? C'est moi qui vais faire les cuts après. Il y a une forte odeur de fioul. Moment, il y a des odeurs de fioul. Mmh. C'est où la machine? Elle n'utilise pas d'hydraulique. Non, non. Ah oh, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, ben nous voilà au pied de la... Oh. Oh. C'est chiant, les gens ils voient que tu filmes et puis ça passe devant. Ah. Ouais, c'était parfait. Hein? J'étais en train de faire un truc avec les clés. Ouais, il passe devant. Attends, c'est ouvert. Ah, on va peut-être pouvoir y rentrer. Oh, bah ouais, c'est une visite, regarde-moi ça. Ah, attends, oh, purée. La lumière. Oh. Attends. Non, oui, c'est fini, non. Tu fais ta caméra? Tiens. Ouais. Tu es prête? Je sais pas, peut-être que je... Non, ça devrait aller normalement. Tu passes en double shot, tu veux dire? Non, je passe pas en eye shot. Attends. Ouais, non, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin. Attends. T'es trop petite, hein? Ouvre, hyper. Tiens. Bah, et alors? C'est en panne? Peut-être l'autre, non? C'est le verre, non? Ah non, il fonctionne pas aujourd'hui. Peut-être l'autre, là-bas. Non, je... Vous êtes ici, au cœur du blockhaus des Permiques. Cette porte colossale, que
que vous venez de franchir fermait l'accès des voies ferrées. 2 mètres 20 d'épaisseur. 86 mètres cubes remplis de béton. Plus de 216 tonnes en mouvement. Cette porte fonctionne depuis sa restauration en 1988 à l'aide de moteurs électriques. Elle est suspendue par 2 lièvres à un châssis à air précieux. Celui-ci se déplace grâce à une démultiplication sur 2 rails reposant sur les consoles situées au-dessus de vous. Observez la hauteur impressionnante du hall abritant la voie ferrée. Cette hauteur prévue de 25 mètres devait permettre l'acheminement et la préparation des terrifiants V2. Elle n'est plus aujourd'hui que de 22 mètres. En effet, le niveau du tunnel a été remplacé de 3 mètres afin de dépasser la nappe d'eau et de vous permettre l'accès à l'intérieur du blockhouse. À mi-hauteur du hall, 3 niveaux où furent finalement installés les réservoirs d'oxygène liquide permettant ainsi le chargement des wagons isothermes. Ces wagons, d'une contenance de 15 tonnes, pouvaient alimenter jusqu'à 3 V2. Le couloir latéral abrite aujourd'hui la reproduction grandeur nature d'un V2 mesurant plus de 14 mètres. De cette ouverture, les fusées devaient être acheminées à l'extérieur du bunker jusqu'à la table de tir. Les chicanes, encore visibles sur les parois, était destiné à atténuer l'onde de choc due au départ de la fusée. Par ailleurs, les évacuations de gaz ont été prévues au sommet de ce couloir. La question se pose, pourquoi les Allemands ont-ils achevé ce type de travaux alors qu'officiellement, le bunker de Verdeck n'était plus qu'une usine de production de céramique? C'est rempli d'eau. On peut supposer que les ingénieurs de l'organisation TOP n'avait pas totalement renoncé à utiliser le bunker des Perlecs comme base entièrement autonome pour l'assemblage et le lancement des V2. J'ai failli tomber, j'ai glissé, chef.